Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler de ce petit bonhomme là parce que du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire un petit tour rapide des différents modes quick shot du drone, du Mini 2, du DJI Mini 2 parce que j'ai vu que c'était le genre de vidéo que vous appréciez pas mal sur le drone. Donc n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si vous avez envie que je parle de d'autres choses par rapport à ce drone là, si vous avez des questions par rapport au Mini 2, si vous voulez que j'y réponde en vidéo, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et du coup, on va un peu décortiquer ensemble les différents modes automatiques, les quick shots du Mini 2. Je vais d'abord commencer par plusieurs généralités. Premièrement, le Mini 2 n'a pas de détecteur d'obstacles sur les côtés. Donc, surtout quand vous faites les quick shots avec le Mini 2, faites très attention de là où vous êtes et de la distance où vous êtes des choses. C'est-à-dire que typiquement, si vous faites ça dans une forêt, c'est pas une bonne idée déjà. C'est-à-dire que regardez bien. En général, c'est les arbres, c'est souvent les arbres qu'on se prend. Donc faites attention qu'il n'y ait pas des arbres trop proches de vous. Regardez bien la hauteur maximum des arbres, etc. Parce que du coup, vous pouvez gérer en fait. Avec les différents modes la distance à laquelle va aller votre drone. Mais voilà, vous ne pouvez pas gérer s'il se prend un arbre, il se prend un arbre. Donc faites attention à ça, faites ça dans un endroit dégagé ou dans un endroit où vous savez qu'il n'y aura pas trop de soucis. Et surtout, ne perdez pas de vue votre drone, parce que si à un moment donné, vous voyez qu'il se rapproche dangereusement de quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez très facilement arrêter le mode quick shot tout de suite et lui, il va se stopper directement dans son vol et ne va pas du coup arriver dans l'arbre ou dans la falaise ou je ne sais où. Donc, faire bien attention à ça. Je préfère vous prévenir parce que c'est vrai qu'on se dit c'est automatique, je lance tout, il gère tout. C'est pas non plus tout automatique quoi, faut un peu gérer quand même aussi quoi. Donc ces modes automatiques, ces quick shots sont vraiment hyper bien pour débuter parce que du coup ça vous permet d'avoir des plans assez sympas mine de rien en drone, fluides, stables, smooth. Mais tout ça sans savoir forcément très bien le piloter. Typiquement le genre de mouvement qu'on apprend à faire au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pour les premières sorties drone, si vous voulez déjà avoir des trucs un peu sympas à faire, et bah, vous pouvez le faire tout de suite grâce à ces modes-là. Et je trouve ça bien, mine de rien, de les mettre directement dans le drone parce que tout le monde n'est pas télépilote de drone pro. Et du coup, bah, au moins, ça vous permet d'avoir des bons plans sympa directement sans savoir forcément le contrôler à 100%. Donc ça vraiment c'est super pratique, c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous en parler. En fait à chaque fois que vous commencez un mouvement quick shot, il va falloir que vous ajoutiez une personne ou un objet auquel le drone va se référer, une base pour lui en fait tout simplement. Donc ça c'est très très facile, vous mettez le drone devant l'objet que vous voulez filmer, vous cliquez sur le plus, il sélectionne. Et c'est parti, lui après, à partir de ce moment-là, ce sera toujours ça sa base. C'est autour de ça qu'il va tourner ou qu'il va faire les autres mouvements, aussi simplement que ça. Le premier mode qui est tout simplement le mode drone-y. Attention, séquence mime. Votre drone va tout simplement être devant vous et va reculer en fait en montant. Donc c'est un mouvement qui peut être assez sympa si on l'accélère, tout simplement pour voir assez rapidement où est-ce qu'on se situe, dans un endroit assez joli ou pas d'ailleurs. Ou alors en l'inversant tout simplement pour arriver très vite vers quelqu'un ou vers un objet ou vers ce que vous voulez. Si vous voulez arriver très vite face à une fleur, faites-vous plaisir, non, ça m'est égal, chacun fait ses plans drone quoi. Ensuite, deuxième plan quick shot, c'est le plan fusée. Donc bah, comme son nom l'indique, hein, vous allez voir que tous les plans quick shot, leur nom indique très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire que tout simplement, le mode fusée, bah, en fait, le drone va partir en hauteur en vous filmant. Ou en filmant l'objet, encore une fois, que vous avez sélectionné. Voilà, il n'y a pas plus compliqué que ça. C'est même assez cool à utiliser, mine de rien, parce que ça donne un truc un peu sympa. Je vais sûrement dire ça de tous les plans de la vidéo, mais c'est cool à utiliser. Et voilà. Le troisième quick shot, il est hyper connu, il est très très utilisé. Et je vous en avais déjà parlé dans une dernière vidéo où je parlais des mouvements à faire avec le drone, parce que c'est un mouvement que j'avais mis dans les 7 mouvements à faire avec son drone. C'est tout simplement le cercle, c'est-à-dire que votre drone tourne à 360 autour de l'objet ou de la personne que vous avez sélectionné. J'adore ce plan, il n'est pas original du tout, il n'est plus original du tout, on va dire. Mais pour moi, je le trouve quand même toujours aussi sympa.
parce que ça ajoute quelque chose. C'est surtout bien pour de l'architecture. Je vous remets le plan que moi j'avais fait sans le mode quick shot, je l'avais fait moi-même autour d'une tour quand j'étais partie en vacances. Et bah ouais, le rendu est chouette. Et mine de rien, c'est un mouvement qui est pas simple à faire parce qu'il faut vraiment bien coordonner, etc., la vitesse de rotation, la vitesse de la caméra pour qu'elle reste bien centrée. C'est vraiment pas évident à faire. Donc c'est hyper agréable de savoir que le drone peut le faire tout seul, en automatique, avant que vous vous appreniez à le faire vous-même en fait. Et c'est là l'avantage et le truc trop bien avec les quick shots, c'est pour ça, c'est que ça vous permet de faire des plans super cool sans savoir les faire au début. Le quatrième plan, c'est la spirale. Encore une fois, ça tombe sous le sens, donc je vous mets ce que ça donne, c'est-à-dire que tout simplement, il va tourner autour du sujet en faisant une spirale, c'est-à-dire en s'éloignant au fur et à mesure du sujet, tout simplement. C'est un effet qui est sympa aussi, qui permet d'avoir le côté, l'effet cercle, mais avec l'effet un peu drone-y du coup, qui permet de vraiment se rendre compte de là où se situe le sujet. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout pour donner un effet un peu de grandeur au lieu où on est, pour un peu minimiser ou rapetisser le sujet ou les personnes. Donc moi j'aime bien ce truc-là, je trouve que c'est sympa. Ensuite on va parler du dernier mouvement, qui est moi un mouvement que j'aime pas trop, que j'ai jamais utilisé vraiment. Sauf pour cette vidéo du coup, parce qu'il fallait vous le montrer. Donc c'est un effet de boomerang tout simplement, que moi je trouve pas forcément très très esthétique. Parce que c'est pas très agréable, mais il existe, il est là, donc pourquoi pas, allez-y, faites-vous plaisir. Ces effets-là sont là aussi pour être créatifs et pour en faire autre chose. Donc n'hésitez pas à me dire dans quelles circonstances vous utilisez ce mouvement-là, si vous l'utilisez. Parce que moi, j'avoue, l'effet boomerang, j'ai un peu de mal, je ne sais pas trop où le situer. Mais après, bon, sans jugement, encore une fois, hein, je ne juge pas. C'était le dernier mouvement que moi, je trouve pas très intéressant. Est-ce que c'est pour ça que c'est le dernier? Je ne sais pas. Mais voilà, donc on a fait le tour des 5 mouvements quick shot qu'il y a avec cet appareil que moi je trouve vraiment très intéressant quand on débute. Et ce qui est vraiment cool, c'est que pour chaque mode, vous pouvez choisir la distance à laquelle vous voulez l'utiliser. C'est-à-dire que typiquement, le drone-y, vous pouvez aller de 25 mètres, je crois, jusqu'à 120. C'est-à-dire que soit il s'éloigne de vous jusqu'à 20 mètres, soit il s'éloigne très très loin, jusqu'à 120 mètres, et vous pouvez gérer en fait en fonction de là où vous êtes, etc., jusqu'où vous voulez qu'il aille tout simplement. Et pour chaque mouvement, vous pouvez choisir une distance. Alors en fonction des mouvements, les distances sont différentes, mais du coup, c'est pas mal parce que c'est quand même un peu personnalisable, même si après il fait le mouvement tout seul. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que quand on débute, et mine de rien, avec le Mini 2, bah, on débute pas mal parce que c'est un petit drone qu'on utilise souvent parce qu'on n'a pas d'autres drones et que c'est notre premier. Donc je serais pas mal pour le coup d'utiliser ces mouvements-là avec le Mini 2, même si ces quick shots-là sont disponibles sur tous les DJI. Et principale chose que je répète encore une fois, désolé je radote, mais surtout faites attention parce que il n'y a pas de détecteur d'obstacles sur ce drone et donc faites vraiment attention quand vous les utilisez parce que lui il va faire son mouvement, il ne va pas chercher. Et voilà, une branche est vite arrivée et un crash est vite arrivé. Et en vrai, ce serait dommage quand même hein, de crasher le drone comme ça. Ce serait con. Ah si, ce serait con. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous allez sortir tester ces super quick shots, mode automatique, trop bien. Voilà, je suis beaucoup trop... c'est la fin de la journée, je suis un peu fatiguée. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si ça vous a plu, à vous abonner comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut.